On comprend les Khmers rouges en observant leurs images. Pol Pot forge une réalité conforme à son désir. Même la nature doit s'y plier. Parfois, les cadres rassemblaient plusieurs villages et nous projetaient un film, entendant la lutte du peuple à main nue contre les puissants colonisateurs. Bien sûr, nous savions que les acteurs étaient mauvais, que le film était mauvais, et beaucoup dormaient au fond, épuisés, comme moi.